Pendant qu'on a parlé de nouvelle naissance là, il y a un point qui est vraiment important pour nous parler sous les tout. C'est concernant la situation à Danteye avec Ève avant de chiter. Parce que y a un facteur comme ça qui a aidé nous à comprendre la réalité faite une deuxième fois. Qui ça qui a plus de valeur que une nouvelle vie? Nous tous connaissons qui Jean Bagayo te vinye après péché, entré dans le monde ça. Nous voyons qui Jean l'homme vin dépravé. Tout bagay vin maudit. L'homme tombé dans souffrance avec maladie. Faiblesse l'homme dépassé limite et incapable pour résister à péché. L'homme vin perdit tout privilège qu'il a gagné avant péché. Et il vient développer une série de bagailles qui sont résultat des obéissances. Pendant qu'on a parlé de résultat des obéissances, il y a un pile de bagailles qui arrivent après péché l'homme. Terre maudit, l'homme obligé, après du travail avec difficulté, maladie, souffrance, douleur, peine. Ça ne va pas parler, Jean le monde rempli avec méchanceté, criminalité, injustice et immoralité. Quand il y a une bagaille qui est très intéressant, c'est qui Jean ça te fait facile comme ça, parce que diable a pas rencontré aucune opposition du tout. Non, une seule conversation avec Ève, l'homme tombé dans le péché. Comment ça fait facile comme ça? Nous t'es qu'à penser Satan t'es qu'à passer plus de temps à tenter l'homme. L'homme t'es qu'à faire résistance. Et c'est après plusieurs attaques, ok, il concide. Ça veut dire, pendant ça, tu as fait plusieurs attaques, plusieurs séances, tentations, actes mensonges. Et puis, ça arrivait, l'homme arrivait céder, il mangeait fuya. Mais c'est pas ça, nous, ouais. L'homme pas même essayé de rebeller. L'homme pas même fait une petite bataille pour Satan à rencontrer une petite opposition. Parce que, après tout, l'homme pas infecté ou bien imparfait ou handicapé par péché a. Péché a pas de quoi entrer dans le monde. L'esprit était fort et il pas affaibli par aucun péché. Comment ça fait arriver pour l'homme tomber facilement comme ça dans la désobéissance là? Ça m'a dit pour nous retourner dans le jardin d'Éden. Pour nous regarder l'impact, position Satan te sous Adam et Ève. Et qui ça qui conduit à manger fuya aussi facile comme ça pour désobéir bon Dieu? Parce que m'pa croire Adam avec Ève te gen connaissance de Satan avant ça. M'pa croire yo te connaît, yo te gen aucune connaissance de Satan. Ou bien te connait parler avec déjà, ou te connait rencontrer avec déjà. Yo te toujours à parler bon Dieu, bon Dieu était toujours qu'on vienne dans jardin, vienne parler avec yo, ça veut dire yo te au courant de grandeur et puissance bon Dieu. Yon seul jour Satan paraît devant yon pour yon manger fuya, yon gata tombe dans le péché. Yon oublie relation yon abondi et quitte Dieu pas manger fuya. Question, comment ça te fait facile comme ça? Qui j'en ça fait arriver aussi rapide? Satan presque pas j'en aucune résistance. Tout scénario a passé dans Genèse chapitre 3. Satan entame une conversation avec Ève à deux pas trop loin. Ève a discuté avec Satan. Mais dans verset 6, là, dans la tradition d'Abia, ou bien Kedjevi, ou bien tradition version nouvelle internationale, là, yo dit même bagarre. Il dit, dans verset 6, là, chapitre 3 dans Genèse, là, femme nan wè, fuit pied bois, t'es bon pour manger. Ziel te prend plaisir la donne. Et pied bois te bail desi pour ouvrir intelligence. Li longe mel, li prend manger et bail maril qui te mange tout. Mwen ta mon prend sang pour l'anniversaire plusieurs fois. Parce que ça gagne pile importance. Verset ça. Parce que c'est verset ça qui mettait le monde côté lié. Je vous l'ai dit, c'est ça qui arrivait dans verset ça. Qui mettait le monde côté lié aujourd'hui.
Nous avons parlé de yon phase côté Adam et Eve pot ko péché. Parce que péché a commencé dans le moment côté longer mais au prend fuit à manger. Longer mais toucher fuit à pas péché non. Elle son mentil ba, elle te dit bon Dieu dit pas toucher, la bon Dieu pas parler de pas toucher. Bon Dieu te parler de pas manger. Yo pas comment manger fuit. Parce que désobéissance là péché a commencé à partir de là yo manger fuit. Avant yo manger fuit pour te gagner péché. Mais c'est important pour nous garder Jean ça t'est passé parce que moi pas connu pour où moi j'ai un pile question pour Adam moi-même. Il y a bagaille qui doit clair. Elle doit ba explication. Parce que Adam pas aucun péché dans col pour te faible pour te dire il te gain faiblesse ou bien il était affaibli ou bien il était grand goût dans moment ou bien il était dans souffrance, il était en douleur. Non. Il y a bagaille qui doit clair. Parole bon Dieu montrer plusieurs bagailles qui manifestaient dans Ève et Adam avant même yo manger fruit. Côté bagaille ça était qui Jean yo fait manifester? Est-ce que bagaille ça c'est péché yo et tout? Premier bagaille yo ouais fruit pied bois, t'es bon pour manger. Yo gantan jugé que le bon. Yo te attiré vers pied bois. Zye yo prend plaisir là-dedans. Ça c'est plaisir de la chair. Là on comprend ça. Ça c'est plaisir de la chair. Pied bois te ba yo désir pour ouvrir intelligence yo. Ça c'est passion quoi, désir de la chair. Madame, vous considérez avec plusieurs manifestations ça yo émotion Adam qui manifestait avant même yo commettre péché a. Désir, plaisir, envie, attirance, volonté pour manger, réflexion qui j'en le bon etc. Moi dans mes ressouligner que bagay ça yo manifesté dans Ève sans Ève pour comme même péché. C'est pas après elle fin manger fruit a nous yo manifesté. C'est avant. Qui ça expliqué? Ça veut dire bagay sa yo te nan l'homme depuis avant le péché. Yon nan bagay pou comprendre. Nan Jean bon Dieu créé l'homme nan. Li pa créé le kou zange. Ou bien yon pur esprit non. Nan Somme 8, attendez bien. Nan Somme 8, li dit bon Dieu créé l'homme inférieur à Dieu, inférieur à Zanjo. Zanjo pas créé avec la boue ou avec poussière la tête pour l'homme. Zanjo c'est seulement esprit que lui, il est seulement spirituel. Et l'homme physique, tout ça qui compose l'homme c'est poussière. Lui sorti dans la terre, lui attiré vers la terre, l'a retourné dans la terre. Et c'est avant même l'homme péché, oui, ça c'est comme ça. M'a rappelé l'homme fait avec poussière depuis avant le péché. L'homme prend naissance dans la terre, c'est poussière qui compose elle, il crée inférieur. Parole bon Dieu dit ça bien clair dans Somme 8 là. L'homme pas créé parfait, il crée imparfait ou bien inférieur à Dieu, inférieur à Zanjo. L'homme créé avec désir pour la terre. L'homme créé avec attirance pour la terre. L'homme créé avec envie pour la terre. L'homme appartient à la terre. L'homme fait avec toute faiblesse ou bien penchant pour bagaille la terre. Vie naturelle l'homme même adapté à la terre. L'homme pas qu'à vivre l'autre côté que sur la terre. Non? Parce que soleil la lune pied bois yo la mer oiseaux yo ak l'autre monde contribuer dans la vie que l'homme a vive là bagay ça ou gen gros influence sur l'homme avant même l'homme te péché a là mon comprendre c'est pas après le péché non bagay ça vinn gen impact sur lui c'est avant même il te péché bagay ça yo te lié ensemble avec peut-être ou ka mande est-ce que l'homme te ka grand goût soif faire besoin physiologique etc avant péché a.
Parole bon Dieu pas dit Adam te kon manger ni boire avant péché. Pas gon côté pas gon verset qui explique ça. Mais posez tête question. Pour qui ça bon Dieu te créé manger à glo si Adam pas besoin yo? Ça veut dire Adam te créé avec désir pour le manger et pour le boire et bon Dieu même te dit pour le manger. Besoin manger et boire pas un résultat péché Adam non? Non, vous comprenez ça? Adam créé même avec besoin pour le manger. C'est pas péché Adam qui vient mettre besoin manger dans Adam. Nous qu'a dit manger a t'es en abondance dans le jardin. Et toute salle de manger t'es satisfait. Et déjà col pas fatigué. Il était sans faiblesse physique. Il pas de aucune souffrance. Et toute salle t'es besoin t'es ensemble avec dans le jardin. Mais ça pas expliqué col pas fait avec désir pour le manger et pour le boire. Tout système organisme t'a fonctionné, ça veut dire tout organe t'a fonctionné, quel t'a pompé sang dans tout corps avant même péché. Artère yo vein yo t'a mené sang dans toute partie dans corps, cerveau t'a fonctionné. Ça veut dire il t'a gagné appareil digestif. L'elle manger pour manger à suivre circuit qu'elle doit suivre là. Poumon Adam t'a fonctionné, il t'a respiré oxygène, il t'a remettre gaz carbonique. Non, mon comprendre ça et depuis avant péché, oui, ça t'est comme ça. L'homme t'est même gens ou yé kounia depuis avant péché. Ça veut dire Adam t'est créé avec désir pour le manger pour le boire. Besoin manger boire pas un résultat péché Adam. Adam créé non même gens nous même nous yé là. Nous c'est petit Adam. C'est après péché a. Il vient sentir grand goût ak soif là. Peut-être avant col pas senti grand goût nan jan nous même nous senti jodi a. Mais il était créé avec désir pour le manger. C'est avant même il était péché. Bon Dieu dit il pour le manger. Après Adam fin péché, il vient commencer senti grand goût avec soif. Avant il te gen désir ak envie pour le manger et boire, mais corps pas affaibli ak péché a. Dans un contexte s'il pas fait à temps, l'absence il y a affamé, a décomposé, même gens ça y est pour nous. L'homme pas connaît aucune douleur avant péché a. Mais bon Dieu créé corps l'homme avec tout besoin pour manger, besoin pour boire, besoin pour communiquer, besoin pour réfléchir, besoin pour décider, besoin pour comprendre. L'homme te gen libre arbitre, ça veut dire possibilité pour faire choix livre depuis avant l'été péché. L'été carré, senti la joie, remè, envie, désiré avant même l'été péché. Li créé l'homme, bon Dieu créé l'homme avec un pile besoin. Et même besoin pour le pareil, besoin sexe, etc. avant même l'homme de péché. Bagay sa ou existe dans l'homme avant même péché à rentrer dans le monde. Seul bagay, c'est que toute émotion sa yo ak faculté sa yo dans l'homme pas affecté et infecté par péché. Yo pas une occasion pour l'homme faire ça qui pas bon. Au contraire, yo te permet l'homme te ka établi bon gens relation ak création. Ça moi vle faut comprendre avant Adam et Eve manger fruit, Satan te connaît qui Jean bon Dieu te créé yo. Li pas juste paraître dans jardin vin tenter yo. But soukou non. Moi pensais que avant même ça t'approcher sur lui prend pile t'a observer de loin. L'a tande conversation yo, l'a garder réaction yo, l'a suivre qui besoin yo gagner, qui ça qui attirer yo. Et c'est ça li fait juste une jodi a. C'est ça qui bal en pile résultat dans tentation yo. Tout bagay ça on a dit qui manifester dans monsieur dame yo avant yo manger fruit, c'est pas péché yo. Et c'est pas Satan qui mette le nan yo. C'est pas diable non qui baye Eve envie pour manger fruit. Désir pour manger fruit ak envie pour ouvrir intelligence li. Pas sorti dans Satan non. Non bien aimé de tromper. C'est bagay qui te tout naturel dans Adam. Bon stabiliser ça m'a dit à pour. Bon Dieu créé l'homme avec yon esprit, yon âme ak yon corps physique. Le bon Dieu fin souffle nan ne Adam, Bible a pas dit l'homme vin yon esprit vivant.
Li di l'homme vini un homme vivant. Ça veut dire c'est la vie nan nan qui te gen domination. L'esprit a qui pa yon entité matérielle te attaché ak nan nan. Mais nan nan pat yon obstacle pour lui. Parce que l'esprit a te ka communiquer et communier ak bon Dieu sans obstacle. Parce que nan nan te attiré vers l'esprit. Li te yon conduit pour lui. Nom nan te yon chemin pour l'esprit a te dominer tout être là. Ni koa ni nom nan te soumettre à direction l'esprit a. Et l'esprit a te recevoir direction nan mes bon Dieu directement. Adam pat kon wè bon Dieu ak Dieu physique li non. Li pat kon touche la men non. Mais relation te fait dans l'esprit et l'esprit te en contrôle de toute l'autre partie yo. La vie nom nan pat servi obstacle à l'esprit a. Au contraire, il était dans soumission. Non, bien aimé, Adam pas de jambe qu'on voit mon Dieu physique. Non, elle était dans le jardin. Mais bon Dieu, tu qu'on parlait avec Adam dans l'esprit. Et Adam, tu connais ce bon Dieu qui parle avec elle. Parce que la Bible a dit personne pas de jambe voit mon Dieu. Elle dit personne, non, même Adam, pas de personne qui te jambe voit mon Dieu. Même les anges dans le ciel, pas de jambe connaît exactement à qui ça bon Dieu semble. Seule connaissance qui a gagné de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tandis que nous avons anges dans le ciel. Seule connaissance qui a gagné de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous-mêmes, tout bon Dieu, voulons pour seule connaissance nous gagnons de lui, pour c'est Jésus-Christ. À ne pas qu'on nous bon Dieu avec Dieu physique, mais encore me répéter. Mais l'esprit te joué tout rôle qu'il te doit jouer. La vie n'a pas pas servi obstacle avec l'esprit. Parce que l'esprit, l'homme, est en contrôle de toute l'autre partie. Nom l'homme t'es dans soumission par rapport avec l'esprit a. Nom non t'es toujours gain même volonté a que nous gain aujourd'hui a, même émotion que nous gain aujourd'hui a, et même intelligence que nous gain aujourd'hui a. Même gens nous gain tout, bagaille ça ou pas manifester après péché a nous. Yo t'a fonctionné avant même Adam t'es désobéi. L'esprit a t'en mesi pour le recevoir message ak directive bon Dieu. Message ak directive bon Dieu. Yo te recevoir sans restriction. Elle te transmet yo à toute l'autre entité dans l'homme. Et nom l'an te recevoir sans limitation et soumettre avec yo. Corps te seulement yon instrument pour faire ça qui bien et obéir à toute directive li recevoir sans rébellion et sans faiblesse. Émotion l'homme, volonté la intelligence te connecté à volonté bon Dieu. L'homme te dans bon genre relation à bon Dieu. L'homme te réjouit dans la présence de bon Dieu, ni dans l'esprit, ni dans l'homme, li, et ni dans le corps. Ça nous besoin qu'on c'est que quand on a des propres à faire par tout, quand on a des désirs par lui, il y a des passions avec toutes sensations. Quand on met l'homme en contact avec tout l'autre bagaille physique qui existait, il a interagi avec eux et senti eux depuis avant le péché. L'homme te senti vent qui a vanté avant le péché. L'homme te senti rayon soleil la sous pôle avant même li te péché. Li te remè wè coucher soleil ak lever soleil la avant même li te péché. Li te remè wè plante yo k ap grandi, oiseaux yo k ap voler, poisson yo k ap nager dans la mer, rivière yo à la mer. L'homme te gen contact ensemble avec avant même péché. Mais malgré tout désir yo ak émotion yo te déjà nan corps a pa t'ap dominer l'homme. Corps a pa yon fado ni yon moyen pour mener l'homme nan péché. C'est nom là qui t'a dominé quoi. Quoi t'es fonctionné selon volonté nom là et nom là t'es soumettre avec volonté l'esprit a. Et l'esprit a t'es soumettre avec volonté bon Dieu. Kounya ça qui vient passer. Les Adam tombé dans désobéissance là, péché a rentré dans l'homme. Li prend contrôle désir et plaisir quoi. Li prend contrôle nom là. Li prend contrôle toute passion et besoin quoi. Kounya quoi vient en rébellion à l'esprit a. Nom nan ki se la vie, l'homme perdi contrôle sous désir et passion koa, li pa gen contrôle ak pouvoir sous besoin koa, li vin tombe en esclavage sous contrôle ak passion koa dominé par péché. Au lieu pour le garder en haut, Jean sa te kon fait là sous direction l'esprit, li garder en bas sous direction désir koa. Kounya, est-ce que volonté a li a reflété volonté l'esprit a? Est-ce que émotion a réagi que dans direction l'esprit a? Est-ce que intelligence li a transmettre parole bon Dieu fidèlement? Non,
l'homme perdit bon gens relation avec l'esprit. Il vient à obéir et poursuivre désir quoi. Bon Dieu pas créé Adam pour vivre selon sa senti ou sa vle non. Il t'a créé pour le faire volonté bon Dieu avec cœur content et pour quoi servir les outils. Les péchés a prend contrôle quoi, il prend domination la vie l'homme. Qu'on y a un homme, l'homme vient trop faible pour résister à désir et passion quoi. Li attiré sous sa ziel loin. Li prend plaisir sous sa corps à désirer. Li vient à vivre pour propre tête li. Yon homme qui en bas domination désir ak passion quoi, vient Chanel. Désir lui sorti dans la terre. Volonté la intelligence li affectionné à bagay la terre. Dans 1 Corinthiens 15 verset 48, li dit Jean t'ai aillé à c'est comme ça bagay la terre et tout. Ça t'est comme ça depuis avant péché a. Mais avec péché a, nan nan vinn perdi relation ak l'esprit a, li tombe sous un pire plaisir la terre. Ça vinn passer, l'esprit a vinn mouri attaché ak nan nan seulement et perdi position devant mon Dieu et puis nan nan seulement affecté et prend plaisir dans bagay la terre. Bagay qui fait le plaisir ak passion et désir quoi. C'est une catastrophe. Mais bon Dieu qui veut rétablir l'homme, il établit un plan pour ça. Plan bien simple. Rebaille l'esprit à la vie encore. Mais une vie qui pas attachée à la vie non non. Une vie qui différent et qui pas soumettre qui pas soumettre à la vie non non. L'esprit a dans tête seulement à vivre parce que péché a pas présent dans non non. Et li pas t'empêcher le continuer avec bon Dieu et juste présence li. Ça qui te kembe en existence tout. Mais li pas jamais recevoir une vie qui te différent de la vie nom non. Seule vie l'homme te gagne c'est la vie nom non, la vie de l'âme. L'homme te vini un être vivant, une âme vivant. Seule vie m'a répété l'homme te gagne c'était la vie nom non. Et l'esprit a qui pas matériel pas empêcher le faire un sel ak nam nan et toujours être en contact ak bon Dieu qui te substenil ak yon relation spirituelle. Bible a dit dans Genèse chapitre 2 l'homme vini un être vivant. Ça veut dire toute partie dans l'homme te joui la vie naturelle ça ni quoi ni nam nan ni l'esprit a. Vie naturelle ça qui te vivant nan nam nan pas un obstacle ni un fardeau pour l'esprit a. Parce qu'elle était sans péché. L'esprit a été tiré existence dans nom non. Mais il était nourri dans relation avec bon Dieu. Et s'il perd nourriture ça dans relation avec bon Dieu, il a fini par mourir. M'a répété le pour. L'esprit a perdu nourriture dans relation avec bon Dieu, il vient tomber sous celle domination nom non qui affecté à péché. C'est cause ça qui fait mourir. Ouais. La vie naturelle, l'homme pas qu'à remplacer relation avec la présence de bon Dieu pour l'esprit à être vivant. Pas oublier, l'esprit a, c'est seule substance dans le corps l'homme qui même Jacques bon Dieu. Bon Dieu, c'est l'esprit lié tout. Jean 4, verset 24. Ça veut dire, c'est l'esprit l'homme qui te seul contact l'homme avec bon Dieu. C'est l'esprit qui te attendait, parler, communiquer, communier avec bon Dieu. Et l'esprit a, avec position ça, te gen domination sur nom là. Li te gen domination sur corps. Et nom là, te facilite processus ça parce que li pas affecté à péché a. Corps te obéi parce qu'il pas esclave péché a. L'esprit a te prend plaisir dans mon Dieu. Li te remet et vit présence mon Dieu. Mais les péchés a vinn entrer. Péché a éliminé potentiel ça yo de l'esprit a. Li aveugler l'esprit a. Li rend li soud et insensible à présence péché. Est-ce qu'on considère déjà qui premier bagaille qui rive l'homme l'elle fin manger fuir? Premier sacrivé li wè li toutouni. Ça veut dire ziel pas garder en esprit encore. Ziel pas fixé sous bon Dieu encore. L'esprit a pas en contrôle encore. C'est la chair qui vient prendre contrôle là. Lâchez pas l'autre bagaille que propre tête li. C'est ça relé ego. L'égocentrisme vient prendre sens.
l'homme vin égoïste. C'est premier péché qui manifeste dans l'homme. Nom nan vin pas ka wè bagay spirituel ou encore à travers l'esprit. Et c'est nom nan qui t'a dominé. Ça veut dire puisque le pas ka wè bon Dieu encore à travers l'esprit, li wè seulement tête li. Kounya pour bon Dieu sauver l'homme, li décide de réveiller l'esprit l'homme, rebaille l'esprit à la vie encore. Li décide pour rédemption à commencer dans l'esprit l'homme. Mais fois ça, l'esprit a recevoir propre la vie pâle. Yon vie qui c'est vie l'esprit a même. N'a pas là de régénération ou bien nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3 verset 3, Jésus dit Nicodème, si yon moun pas fait yon deuxième fois, li pa sauvé. Kounya, gade explication mbay la. Pour si l'homme qui a sauvé dans l'étalité sans pas recevoir une autre vie dans l'esprit. Bon Dieu connaît l'esprit Adam pas jamais qu'a servi moyen pour regagner toute l'autre partie s'il toujours restait sous contrôle nom là. Alors il établit trois bagages. Connaissance l'évangile là, la croix avec la vie de l'esprit. Dans 1 Jean 5 verset 7 à 8, apôtre Jean Réléo, témoignage de l'esprit du sang et de l'eau. Premièrement, livrer l'homme prend connaissance de l'évangile là. Tant des messages salut pour l'homme comprendre lui. Pour l'homme comprendre que le dépravé, il a besoin d'un sauveur. Si l'homme accepte, vient joindre lui dans l'état lié. Si l'homme accepte le message de l'évangile là et quoi la donne, alors il a entamé le deuxième processus là qui s'est réveillé l'esprit de l'homme. Processus ça qui c'est nouvelle naissance. Côté cet esprit a utilisé la foi que l'homme gagne dans parole sacrifice Christ là pour atteindre l'esprit là. Il communique l'esprit à une vie surnaturelle. Vie par cet esprit à même, vie par bon Dieu à même. Ça nous est la vie surnaturelle de Dieu. Il une autre vie qui est différent de vie naturelle l'homme. Il est différent de vie homme. Yon vie Adam pas jamais recevoir parce qu'elle pas jamais manger arbre de vie. Vie ça l'esprit a recevoir c'est fruit arbre de vie qui te représente vie pure sans péché et sainteté bon Dieu. À partir de ça l'homme vient né de nouveau. Il vient fête une deuxième fois. Bon me font tirer rappel encore sur ça nous et les nouvelles naissances là très rapidement. Nouvelle naissance là, c'est recevoir une nouvelle vie dans l'esprit. Première naissance là, où tu es venu une âme vivante, un homme qui vivant. Mais deuxième naissance là, où venu l'esprit qui vivant. C'est deux bagages différents. Dans 1 Corinthiens 15 verset 45, 1 Corinthiens 15 verset 45, il dit premier Adam était une âme vivante, mais deuxième Adam venu l'esprit vivifiant. C'est exactement ça qui nouvelle naissance là. Un esprit qui retourne vivant encore, mais fois ça, pas selon la chair, pas selon l'âme, pas selon la vie naturelle de l'homme, mais selon l'esprit bon Dieu. Esprit a été mouru, kounia li vivant. Jésus dit Nicodème, nouvelle naissance là, c'est une naissance de l'eau avec l'esprit. Nouvelle naissance là, différent de première. Première a été Chanel. Deuxième nœud spirituel. Premier c'est bagaille l'homme. Deuxième nœud c'est action cet esprit. Bon Dieu ben nous même étant que l'homme possibilité pour décider qui j'en nous voulons vivre avec nouvelle naissance là. Est-ce que n'a vivre selon la chair, la vie naturelle nous qui esclave péché a? Ou bien est-ce que n'a vivre selon l'esprit qui recevoir nouvelle vie bon Dieu et qui soumet à cet esprit a? Qu'on y a vu deux vies dans l'homme. Vie naturelle nan, qui a emprisonné dans le péché, qui a tiré que dans bagay la terre et qui a nagé dans la passion et mauvais désir. Et il vient une deuxième vie surnaturelle. Une vie pure et parfaite. Vie bon Dieu même qui sont bon Dieu qui sans péché. Une vie qui est libre de esclavage péché. Kounia, qu'est-ce que bon Dieu veut? Livre, c'est troisième partie, pour c'est la vie l'esprit qui prend contrôle.
nouvelle vie l'esprit a recevoir. Livré pour l'esprit avec nouvelle vie, ça a dominé toute l'autre partie qui dans l'homme. Mais qui gens ça possible? Qui ça qui doit faire? Tout ça mon Dieu mandé pour nous faire, je dis, c'est accepter mourir même gens à Christ là. Foi ça, c'est pas physiquement, mais c'est une position de foi côté où accepter que l'amour Christ là c'est l'amour pas. Parole bon Dieu a utilisé mot considérer. Romains 6 verset 11 dit garder tête ou considérer tête tout en couillon monde qui mourit. C'est pas une pensée ou bien une tendance non, c'est un fait expérimental. Côté ou renoncer à tête ou expérimenter l'amour vrai ou abandonner tête ou dans l'amour Christ là. Parce que c'est seul moyen qui t'a bail la vie l'esprit a possibilité pour le faire surface. Et pour l'englober, envahir tout corps avec nom non. L'amour ça c'est une réalité. Ou doit véhicule et vivre dans plus profond la vie. Parce que l'amour ça a permet nom non sortir sous contrôle péché. Parce que yon corps qui sans vie pas qu'à réagir. Li sans passion et sans désir. Li pas qu'à outil pour péché encore. C'est ça fait bon Dieu considérer que nous devons mourir totalement et profondément. Si nous voulons, y aurait les nous petites bon Dieu. Nouvelle naissance, non, c'est un facteur primordial parce que libère nous possibilité pour nous petites bon Dieu. Parce que fois ça, c'est pas créer nous créer. Fois ça, c'est né nous né. Nous venons mesure pour nous vivre tout comme bon Dieu, pour nous développer toute qualité qui est dans mon Dieu parce que nous sortons dans mon Dieu. Pour nous produire tout fruit spirituel et tout fruit cet esprit. Là où c'est un monde qui mourit ou finit avec péché. Passion qu'on a des îles vin inutile. Yo sans impact sur le monde pas attirer ni ralo vin jeune yo. Là où mourit ou pas vivre pour tête ou encore. Là où mourit ou pas sous domination la vie naturelle ou encore. Bon Dieu ba nous privilège pour nous vivre et marcher par l'esprit aujourd'hui. Parce que route l'esprit a mené la caille, mon Dieu. Mais route l'homme prend, route la vie naturelle nous a mené nous dans l'enfer. Qui décision? Qui choix? Ou pape ka marcher en bas pouvoir vie naturelle ou et en bas pouvoir nouvelle vie en même temps? Ou doit abandonner une pour l'autre? Pas oublier, nouvelle vie ou recevoir, c'est un coup une semence ou recevoir. Yon petit plant, tout petit. Il doit grandir jusqu'à ce qu'il vienne un homme fait, mature, dans le même niveau et semblait parfaitement à Jésus-Christ. Ancienne vie à nous connaître. Il est sous contrôle et esclavage péché. Il a menti, volé, parlé monde mal, hypocrite, immoralité, mensonge, avec toute l'autre bagarre qui semble avec lui. Nous besoin mourir par rapport avec ancienne vie que nous avons gagné. Nous besoin grandir dans nouvelle vie ça nous recevoir jusqu'à ce que nous arrivions à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Et la mort c'est seul moyen pour vivre spirituellement. La mort doit une expérience quotidienne. Chaque jour on doit expérimenter la mort ça dans volonté, dans émotion, dans intelligence. Ou doit soumettre toute bagaille ça au dans l'amour Christ là. Si vous vraiment voulez une vie nouvelle, un monde qui accepte mourir, dans mon comprendre ça. Un monde qui accepte mourir, il perd toute droit de gain. Il perd position dans monde ça. Il vient esclave sans volonté propre, sans envie et sans désir personnel. Il vient vivre pour monde qui bal nouvelle vie et monde ça c'est Jésus-Christ. Li toujours a jugé la ville et checké pour sûr toute bagarre était dans l'amour ça parce que dans un petit moment pas veillé pour qu'a tomber dans péché encore qui pas jamais dormi et qui toujours a veillé occasion à mettre mambio dans esclavage encore bon Dieu pas jamais créer désir yo ak passion yo pour être capable contrôler par péché
et servi obstacle à l'esprit. Oui, c'est vrai, le corps a été créé avec poussière et il était attiré vers bagaille la terre. C'est vrai, ou créé avec volonté. Ou. Mais bon Dieu voulait pour yo servir moyen pour accomplir volonté pâle. Ce n'est pas volonté la chair, ni le monde, ni le diable. C'est volonté par bon Dieu besoin accompli. Ou pas qu'à vivre une vraie liberté si ou pas totalement et profondément expérimenté la mort ça. Ou pas qu'à porter victoire sous péché si ou pas mourir. Nouvelle vie ou recevra pas jamais qu'à grandir. Li pas jamais qu'à prendre contrôle tout être ou yo. Si ou pas arrêter demeurer dans la mort ça, et bien une nouvelle vie a possibilité pour le développer, pour le croiser et arriver dans mesure parfaite Christ là.